Hello les amis, bienvenue sur le plateau si vous venez juste de nous rejoindre. C'est dommage, vous avez raté quelques heures de bonnes antennes avec effectivement plusieurs intervenants depuis 9h ce matin. Retour sur le plateau avec Candice. Donc voilà, on va accueillir David Brier de Vincia dans quelques instants. Oumaro Traoré également, le directeur général Europe de Taosoft qui interviendra également dans quelques instants. Et donc vous avez Vincia, donc société basée en France, qui agit pour le compte de ses clients dans l'échange de leurs transactions électroniques avec leurs partenaires commerciaux. Alors vous êtes un acteur incontournable de la dématérialisation de factures. Vincia accompagne les entreprises dans le respect de la réglementation en matière de facturation électronique notamment, et en constante quête donc de développement. Vincia et les équipes Taosoft ont contribué ensemble à développer une passerelle entre le logiciel métier Taosoft, il acquiesce. Pour l'instant, j'ai tout bon. Donc voilà. Et la plateforme Chorus Pro, on en reparlera, important, pour les dépanneurs, afin d'automatiser et simplifier la facturation vis-à-vis des communes et des tribunaux. C'est une véritable innovation, bien évidemment, sans précédent dans l'industrie du dépannage et de la fourrière. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir donc David Brier, précité il y a quelques instants, responsable commercial chez Vincia. Bonjour David. Merci, bonjour Steve, bonjour Candice et Maro. Bonjour. Un grand merci d'abord pour l'organisation de ce Virtua Talkshow, qui est vraiment, effectivement, ça permet de garder le lien, compte tenu qu'il n'y a pas de salon actuellement. Donc Vincia, nous, on est partenaire de Taosoft depuis le début, quasiment depuis le début de Taosoft. Nous, Vincia, en fait, on est une société de 43 personnes basée en région parisienne, à Nanterre, société d'état humaine. Et on est vraiment spécialisé dans tout ce qui est les transactions électroniques, dans plusieurs domaines, par exemple dans le domaine des livres, qui est un peu lointain des dépanneurs. Dans les livres, on gère toute la dématérialisation de la supply chain entre les éditeurs et les libraires. Donc toutes les commandes des libraires, les bons de commande, etc., jusqu'à la facturation électronique. Un peu plus proche des dépanneurs, on est aussi l'opérateur du service de Resacar. En fait, c'est une plateforme européenne de réservation de véhicules courte durée. Donc, il y a pas mal de dépanneurs qui doivent connaître ou utiliser cette solution. Donc, ça, c'est une deuxième offre que l'on a au niveau de Vincia. Et vraiment, celle qui concerne celle d'aujourd'hui et des dépanneurs, donc c'est l'offre Clear Invoice. Donc, il y a une dizaine d'années, moi, je suis arrivé dans la société Vincia pour commercialiser cette offre. Donc, on a commencé un peu comme Taosoft tout au début, dans les premiers acteurs du marché. Et petit à petit, donc, on a grossi. Au jour d'aujourd'hui, on a déjà dématérialisé plus de 100 millions de factures sur cette activité. Principalement, on a donc des grands comptes, mais aussi des plus petites sociétés, TPE, PME, toute taille de société. D'accord. Donc, par exemple, dans les grands comptes, on dématérialise toutes les factures au niveau mondial du groupe Rocher. Donc, c'est les magasins Yves Rocher, Petit Bateau. D'accord. Pour lequel on dématérialise les factures entre le siège en Bretagne et toutes les factures d'abord la France, après l'Europe. À la Gacilly, exactement. À la Gacilly, exactement, tout à fait. Voilà, oui. Ouais. On est des gens très sympathiques. Absolument. Ensuite, on travaille aussi avec pas mal de sociétés dans le voyage d'affaires. Donc, des grands donneurs d'ordre comme Carlson Magnoli Travel, les réseaux Selectour, Kioni, etc. Et donc, dès le début, on a aussi accompagné les assisteurs. Donc, les assisteurs, c'est vraiment un pôle important chez nous. Donc, on travaille à quasiment tous les assisteurs en France. On a commencé avec les plus gros. Hein. On travaille par exemple avec AXA, Mondial qui est maintenant Allianz. Mm-hmm. Des gens comme Mutuel également, Acta, Opteven, etc., IMA. Donc, c'est des gens qu'on accompagne depuis une dizaine d'années maintenant dans la dématérialisation des factures. D'accord. Voilà. Donc, alors, au début, on a commencé d'abord avec les partenaires avec lesquels ils avaient le plus de volume. Donc, c'était par exemple les sociétés dans le voyage d'affaires. Donc, on a commencé avec ces sociétés-là. Ensuite, on a attaqué rapidement donc les loueurs aussi pour accorder les différents loueurs en dématérialisation des factures. Donc, je vais vous expliquer après ce que c'est vraiment la dématérialisation des factures. Alors, je vous laisse finir, mais voilà, on va en parler. Sur la... Et ensuite, voilà, les dépanneurs pour lesquels, depuis une dizaine d'années, on a à peu près 150 dépanneurs avec lesquels on travaille en direct, donc qui ont travaillé avec Vincia. Et aussi... quasiment tous travaillent avec nos solutions qui sont mises en place chez les assisteurs. Donc des solutions de saisie en ligne, par exemple, de la facture.
Alors peut-être, voilà, qu'est-ce que la... Alors, voilà, ce que je vais vous demander, c'est qu'est-ce que la dématérialisation fiscale de facture, très exactement. Très exactement. Et comment ça se passe? Quel est le process? Alors, la dématérialisation fiscale de facture, c'est en fait, on donne une valeur légale à un original électronique de facture. C'est-à-dire qu'avant, l'original fiscal de facture, c'était une facture papier. Mm-hmm. On l'envoyait tout en papier. On pouvait l'imprimer, mais c'était une copie. Si on faisait un duplicata, maintenant, l'original fiscal, c'est vraiment un fichier électronique, donc il y a les textes de loi qui encadrent cela. Nous, effectivement, on est un opérateur qui respecte tout le cadre juridique et fiscal permettant de donner une valeur légale à un fichier électronique. Okay. Et là, c'est l'inverse. Si vous imprimez l'exemplaire des données de facturation électronique qui se présente sous un format, par exemple, d'un PDF, c'est juste une copie. L'original fiscal, il est électronique. Électronique. Voilà. Donc, comment ça se passe? Nous, en fait, on va donner une valeur légale à cette facture. On va aussi faire des contrôles, d'ailleurs, pour voir si, par exemple, pour un dépanneur, on va vérifier qu'il y a bien la présence des mentions obligatoires. On va aussi, par exemple, même faire des contrôles métiers pour les assisteurs. Ils veulent, des fois, rajouter des champs bien précis, mm-hmm. des frais kilométriques, pas mal de bornes. Donc, on va contrôler tout ça. Et quand tout est OK, par exemple, on va donc dire que c'est OK. On crée l'original fiscal pour le compte de l'émetteur, le dépanneur. Et on va archiver les factures pendant 10 ans. Donc ça, c'est important parce qu'en cas de contrôle fiscal, on peut remonter jusqu'à 10 ans. Voilà, exactement. Et du coup, tout est consultable en ligne via un portail mm-hmm. ou directement dans les outils Tosoft, par exemple. Donc, on peut consulter les factures. Voilà, tout a une valeur légale. C'est non modifiable, non réinscriptible. Oui, tout à fait. Tout est sauvegardé. Et aussi, donc ça, c'est pour la partie émetteur. Et on fait aussi la partie récepteur. Donc, par exemple, pour les assisteurs, on va aussi contrôler que la facture est bonne du dépanneur mmh. et on va archiver aussi 10 ans pour le compte de l'assisteur. Donc, c'est ça les grandes lignes. Alors, d'une manière générale, juste, c'est aussi bien répondu maintenant. Déjà, en tant que particulier, la facturation électronique se développe. Tout à fait. Temps. Dans le B2B, il y a effectivement le Chorus qui a beaucoup aidé. On va en parler après aussi. Chorus pour les factures des fournisseurs vers l'État qui ont l'obligation de passer en facturation électronique. Et aussi, maintenant, donc il y a un décret qui est sorti en 2020, qui est en cours, qui normalement devrait dire aux sociétés, à toute société, d'ici à 2025, selon un calendrier à définir en fonction des tailles des sociétés, de faire de la facturation électronique pour remplacer la facture papier. Voilà. Okay. Alors, quels sont les avantages aussi de la facturation électronique pour un dépanneur? Alors, ils sont multiples. Hein. Ils sont multiples. Alors, c'est vrai que l'avantage, en premier, c'est qu'on gagne beaucoup de temps. Parce qu'on n'a plus besoin d'imprimer, aller à l'imprimante. Rien que les aspects papier sont un peu obsolètes aujourd'hui. Hein. Voilà. En termes de coûts, c'est important aussi parce que forcément, c'est un coût, mais moindre par rapport à des coûts de traitement papier. Alors, c'est intéressant pour l'émetteur et aussi pour le récepteur qui, lui, gagne aussi beaucoup. Puisqu'il n'a pas à ouvrir les enveloppes, les scanner, les numériser et les intégrer. Donc, pour le dépanneur, par exemple, lui, il va vraiment pouvoir directement dans l'outil Tosoft envoyer sa facture dématérialisée. Il n'a pas besoin d'aller, de l'envoyer. Ensuite, deuxième avantage, c'est que Tosoft et nous, on va gérer les différents référentiels des assisteurs. Donc, on va effectivement, d'une manière centralisée dans Tosoft, via notre plateforme Clear Invoice, il pourra envoyer ses factures aussi bien à Opteven, par exemple, que IMA, Mondial ou AXA, etc., directement par son outil de la même façon. Parce qu'après, les référentiels sont gérés derrière. Donc, pour lui, c'est beaucoup plus simple mm-hmm. à utiliser. Et puis, du coup, les assisteurs, d'une manière générale, eux, c'est vrai qu'ils sont demandeurs de dématérialiser en général et surtout les factures. Du coup, ils sont facilitateurs et en général, au niveau des trésoreries, de la visibilité, etc. Il y a des avantages aussi pour les dépanneurs pour cela. Voilà. Et puis un peu, comme on disait, au niveau de l'archivage à valeur probante, c'est vrai que tout bêtement, à partir du moment où nous, on archive les factures pour 10 ans, ils n'ont pas besoin de se préoccuper de sauvegarder leurs facteurs papier, qui normalement, ils doivent sauvegarder dans une armoire. Oui. Donc, beaucoup d'efficience. Donc, voilà, tout à fait. Effectivement. Oui. Candice. Et oui, alors tu nous parlais de Chorus, David, tout à l'heure.
On va peut-être laisser la parole à Omaro, parce qu'on a vu passer quand même dans la presse, notamment sur GPO Mag, qu'il y avait donc une exclusivité par rapport à Corus. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, effectivement. Encore une fois, dans un souci d'apporter un service à nos clients, avec David, on a pu s'entretenir à plusieurs reprises. Puis on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus pour gagner du temps au niveau de la facturation. Puis ce qui s'est passé en amont, c'est qu'il y a beaucoup de clients dans les sociétés de dépannage qui nous remontent le fait que c'est un peu compliqué de facturer les tribunaux, les communes. Puis il manque un peu de formation de ce côté-là. Donc je me suis rapproché de David Brier. On a commencé un peu à benchmarker, à rencontrer les équipes commerciales, les équipes techniques de chez Ventia pour savoir comment on peut aussi relever ce challenge vis-à-vis notamment de nos dépanneurs qui ont aussi qui exercent une activité de fourrière. Mm-hmm. On aura l'occasion aussi d'en parler juste après. Puis il y a aussi des fourriéristes purs avec lesquels on travaille qui nous demandent aussi d'apporter des évolutions au niveau de la facturation électronique pour pouvoir faciliter et, admettons, raccourcir les délais de paiement, etc. Donc, on est très content notamment de pouvoir développer cette passerelle en collaboration avec Ventia. Mm-hmm. C'est inédit sur le marché du dépannage en France. Nous sommes les seuls, encore une fois, j'insiste bien, parce que c'est important que le message soit diffusé, que la Tosoft Family fait en sorte de pouvoir apporter un maximum de services. Et on est encore plus fier de pouvoir collaborer avec des équipes comme Ventia qui ont été très patients avec nous. Et ça a été un travail de longue haleine. Et puis, c'est sûr que le logiciel Tosoft connecté à Corus va apporter un grand bol d'air à nos clients fourriéristes et dépanneurs qui exercent de la fourrière. Alors, je remercie effectivement Tosoft pour tous les développements qu'ils ont faits pour Corus, parce que c'est vraiment pas une mince affaire, surtout dans le secteur du dépannage, parce qu'il y a vraiment des codes et des choses spécifiques à ce métier qu'on n'avait pas, nous. Par exemple, nous, on était vraiment précurseurs sur Corus. Mm-hmm. Donc, Corus, c'est vraiment 100% des fournisseurs de l'État qui doivent envoyer les factures depuis 2016 de manière électronique. Oui. Donc, au début, c'est des grosses sociétés, puis progressivement, maintenant, tout le monde doit le faire depuis 2019, mm-hmm. toutes les sociétés travaillant avec l'État. Donc, il y a quand même 190 000 entités référencées. Donc, c'est quand même pas une mince affaire. Et sachant que dans le dépannage remorquage, il y avait effectivement des choses encore plus spécifiques dans ce métier-là. Donc, c'est vrai que je remercie à la fois nos équipes qui ont beaucoup travaillé là-dessus et les équipes Tosoft parce que ce n'était pas une mince affaire. Et effectivement, donc c'est vraiment une annonce de. Enfin, Tosoft est précurseur sur le secteur pour les dépanneurs d'avoir une solution permettant d'envoyer ses factures directement à l'État. D'autant plus que si je peux prolonger ta réponse, c'est que, en fait, la facturation, notamment sur la plateforme Corus, est devenue obligatoire pour toute société qui souhaite facturer les services de l'État. Mm-hmm. Donc ça rentre dans une logique de service de facturation au sein de l'outil Tosoft pour pouvoir encore, on va dire, immerger le client ou la personne qui est en charge de la facturation de rester dans le logiciel Tosoft. Puis, dans les années à venir, de ce que j'ai pu lire, David, tu me contredis si je me trompe, la facturation électronique va devenir obligatoire dans différents secteurs. Donc, encore une fois, on essaie d'avoir un temps d'avance et de pouvoir servir nos clients de la meilleure des manières. Puis enfin, la DMAT, c'est la philosophie de l'entreprise, c'est la philosophie notamment de la Tosoft Family. On essaie vraiment d'éradiquer le papier, même si même moi, j'aime bien avoir notamment ce côté-là. Il y a des gains de productivité énormes et encore une fois, d'être connecté à Corus, c'est inédit. Donc bientôt, il y aura une communication à cet effet qui va être envoyée à l'ensemble de nos clients qui souhaitent bénéficier notamment de cette fonctionnalité-là. Mm-hmm. Et évidemment, pour tous les fourriéristes qui nous écoutent, pour tous les dépanneurs qui nous écoutent aussi, ils sont les bienvenus pour pouvoir tester ce service et pourquoi pas s'engager avec nous dans la Tosoft Family. Parce que l'avantage de la passerelle, effectivement, c'est qu'il y a deux possibilités d'aller chez Corus, sur Corus. Soit, en fait, manuellement, on saisit les factures en ligne sur Corus, mais du coup, ça nécessite une double saisie pour le dépanneur dans l'outil de gestion et aussi sur le portail. Donc, ça prend énormément de temps parce qu'il y a tout le temps des factures, c'est très, très long, il faut se connecter, etc. Alors qu'avec la passerelle Tosoft avec Ventia, après, en fait, l'avantage, c'est que tout part
du même endroit, exactement de la même façon que ce qu'ils font déjà pour les assisteurs. Ce n'est pas plus compliqué que le déploiement, ce qu'ils ont fait pour, le, pour l'assistance. Et c'est vrai que ça se passe bien maintenant, au bout de quelques années de fonctionnement. Oui. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un gros plus très important en termes de temps, productivité passée, à ne plus saisir en ligne sur le portail Chorus. Tout est centralisé. C'est clair que c'est une valeur ajoutée indéniable. Oui. Ça revient à peu près, comment dirais-je, bah, à certains dépanneurs qui vont facturer sur des extranets pour, vis-à-vis des assisteurs. Bah, pour les fourriéristes et les dépanneurs qui exercent le métier de fourriériste, bah, ils sont aussi à peu près dans le même cas. Ils sont obligés notamment de se rendre sur le portail Chorus. Mm-hmm. Puis là, là, il y a oui. quand même un phénomène de gain de temps de pouvoir facturer en un clic. Un tribunal ou une commune depuis le logiciel Toursoft à travers un flux Ventia. D'accord, très bien. Connecté au tribunal. De nombreux avantages pour ces dépanneurs et ces fourriéristes quand même. Mmh, effectivement, tout à fait. Et du coup, donc, c'est déjà une belle, belle évolution, mais est-ce qu'il y a d'autres évolutions à venir Écoutez, aujourd'hui, clairement, on va se focaliser notamment sur le déploiement de nos clients sur la plateforme Chorus au sein du logiciel Toursoft. On est en communication constante avec les équipes de Ventia pour pouvoir améliorer le logiciel au niveau de la facturation. Comme je vous l'ai dit, en interne, on est quand même soucieux du volet légal. Et évidemment, on y travaille s'il y a des choses à apporter ou des exigences métiers ou légal à apporter, on le fera aussi, mais clairement aujourd'hui, je pense que l'enjeu pour les deux entités, c'est de pouvoir adresser clairement le marché de la fourrière, en y apportant cette phase de démat pour qu'ils puissent facturer simplement les services de l'État. Et puis on pourra aussi, nous récemment, on a mis en place une offre multicanal pour justement les quelques... Du coup, on arrive à un stade où il y a le dépanneur, il n'y a plus quasiment que des factures électronique et du coup on peut proposer aussi de l'accompagner sur les factures papier, le laps de temps où il y a encore quelques factures papier. Okay. Du coup ça peut être aussi centralisé via Toursoft, Ventia, il peut envoyer 100% de ses factures. Mais c'est vrai que c'est une suite logique après la démat Ventia qu'on risque de pouvoir offrir. Voilà. L'offre multicanal. Oui. Qui est vraiment la phase finale. La phase finale de tout, sachant que cette phase-là diminuera fortement dans les années à venir. Très prochainement, il n'y aura plus du tout de facture papier. Bon, un beau partenariat et puis de belles promesses pour l'avenir. De belles perspectives. Encore une fois, merci David de pouvoir apporter aussi ton expertise. C'était très important de rencontrer David quand on est aussi arrivé sur le marché français parce que ce sont aussi des acteurs très importants vis-à-vis des donneurs d'ordre avec lesquels on travaille aussi. Donc David a été notamment un élément incontournable dans la connaissance du marché au plan marketing. Et comment d'ailleurs s'est passée la rencontre? Alors, lors d'un salon justement à Albi, salon du dépannage, voilà, j'avais identifié Toursoft, moi, et puis quand j'ai rencontré Omaro, il a tout de suite vu l'opportunité effectivement de... Effectivement, on s'est rencontrés. On sortait de la certification nomade, puis on a eu notamment cette surprise de dire « Oh mince, on doit développer la passerelle Ventia », on est reparti notamment sur plusieurs semaines de travaux. Puis c'était aussi une bonne chose parce qu'aujourd'hui, clairement, beaucoup de dépanneurs utilisent aussi la démat dans le cadre des factures assistantes. Donc, encore une fois, merci à toi. Merci Omaro aussi à vous pour tout ce que vous faites, toi et puis Vincent aussi. Et puis je voulais remercier mes équipes du coup, Marie-Ange, merci. La partie administrative, les dépanneurs sont en contact avec eux, et puis Youssef sur la partie commerciale, et puis dans les équipes techniques, ils sont pas mal en contact avec Nadia qui avait beaucoup travaillé sur Chorus, et Simina sur l'opérationnel. Tout à fait. Dans nos équipes techniques, pour les dépanneurs, c'est des noms qui leur parlent. Voilà, donc je les remercie aussi. Tout à fait, c'était une belle aventure. Ben, je pense que c'est très bien comme mot pour la fin. Oui. Merci. Merci à vous. Merci à tous les deux. Merci à Steve. Merci David. Merci. Donc voilà, dans quelques instants, on va retrouver Candice. Tout à fait.